Un moment de répit au cœur d'un débat tendu. Ce mercredi 20 avril s'est déroulé le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des échanges arbitrés par les journalistes Léa Salamé et Gilles Boulot, qui avaient notamment pour mission de faire respecter l'égalité du temps de parole entre les candidats à l'élection présidentielle. Ainsi, ils n'ont pas hésité à interrompre les deux intervenants quand il le fallait. C'est par exemple ce qui est arrivé lorsque Emmanuel Macron et Marine Le Pen exposaient leurs mesures en matière de justice et de prison. Bien, vous avez développé l'une et l'autre vos programmes, vos propositions, 5 minutes chacun, a ainsi déclaré Léa Salamé, ce qui a quelque peu frustré les deux candidats. 5 minutes pour parler de l'insécurité, c'est un peu court quand même. A réagi Marine Le Pen. Je suis d'accord, a surenchéri le président sortant. Emmanuel Macron, on est beaucoup plus discipliné, on a une question sur la laïcité, si vous le voulez bien, parce que le temps presse, a justifié la compagne de Raphaël Glucksmann, sans que les candidats n'insistent davantage. On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen, a alors observé Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, a acquiescé Marine Le Pen, avant d'ajouter, on voit point de vieilli. Je crois que c'est factuel. Je serai très respectueux à votre égard, vous ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, madame, a répondu avec légèreté le chef de l'État. Un petit échange inattendu qui a semble-t-il permis aux deux opposants de se détendre un peu.